Une petite question, qui dans la salle est designer? Ok, merci. Qui dans la salle ne connaît pas Capitaine Train? N'hésitez pas à lever les mains. Bon, comme ça au moins j'ai les slides du début qui vont être importants. Je ne vais pas vous parler beaucoup de Capitaine Train, la société, je vais plutôt vous parler en fait d'un retour d'expérience et comment on a transformé un système qui marchait très bien sur web. Pour en faire quelque chose qui tourne aussi bien sur mobile et qu'on a intégré toutes ces offres-là, web et mobile, ensemble. Donc, petite précision, je m'appelle Cyril Mottier, pour ceux qui étaient à ma conf hier, ils le savent déjà, je blogue, je suis sur Twitter, Cyril Mottier. Sur un point de vue plus personnel, je suis aussi un runner et un joueur de babyfoot. Je suis aussi Google Developer Expert. Donc, qu'est-ce que c'est ce statut? C'est juste une reconnaissance de la part de Google sur une expertise, sur une techno Google, en l'occurrence Android pour ma part. Alors, en fait, je me présente comme développeur. Donc, moi, j'ai un background de dev, clairement. C'est juste que j'ai une sensibilité sur la UI et la UX. C'est pour ça que dans cette conférence, je voulais en parler. Et vous verrez en fait que cette conférence, il n'y a pas une seule ligne de code, donc ce qui est assez bizarre pour moi, parce que d'habitude, j'ai un plan qui est ultra droit, je sais très bien comment on va au but. Là, c'est un petit peu plus difficile, parce que c'est un sujet qui demande plus de dialogue que de juste faire une conférence d'une heure. Donc n'hésitez vraiment pas à me bloquer sur chaque slide si vous voulez discuter de telle ou telle chose, quoi. Donc Capitaine Train, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up qui est basée à Paris et qui a un but unique, c'est de révolutionner la façon dont on voyage en train. Donc ça passe par quoi? Ça passe par l'achat des billets de train, bien sûr, mais on verra un petit peu dans la suite de cette conférence que c'est pas que ça, en fait. On essaie d'aller encore plus loin, notamment sur l'expérience de voyage en elle-même. Donc je pourrais en parler pendant 2 heures, qu'on est trop bien, on est les meilleurs. Il suffit juste d'aller sur capitainetrain.com et de vous faire votre idée. Hein. Ou d'aller sur le Play Store ou l'App Store pour télécharger l'application. Vous pouvez aussi nous trouver sur @capitainetrain ou sur Twitter. Et puis si vous faites un curl sur www.capitainetrain.com, vous verrez qu'il y a un petit header sympa, on recrute. Donc n'hésitez pas non plus à postuler si vous cherchez un boulot sympa. Voilà, donc je vais commencer par une petite introduction, un petit peu le contexte, d'où sort Capitaine Train, la timeline, des choses comme ça, parce que je pense que c'est important de bien se positionner pour comprendre comment l'évolution a eu lieu en fait, entre un système qui fonctionnait que sur web à un système qui fonctionne à la fois sur web et sur mobile en général. Donc voilà, la timeline, elle est assez simple. Capitaine Train, c'est une boîte qui a été créée en 2009. Les cofondateurs ont mis pas mal de temps à tirer la couette du côté de la SNCF pour avoir enfin des accès pour pouvoir être en mesure de vendre des billets de train. Et puis une fois qu'ils avaient réussi à avoir ces accès-là, ils ont pu enfin travailler sur un concept de site web qui est sorti en bêta en mai 2010. Ce site web, du coup, marchait beaucoup par invitation, entre amis, des choses comme ça. Et puis en octobre 2012, le site web a été ouvert. Et on se rend compte que c'est juste un an après cette ouverture-là que Capitaine Train a fait un pas vers le mobile en sortant l'application iOS et puis 6 mois après en sortant l'application Android. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi iOS d'abord. En fait, c'est juste un problème, on va dire, logistique. C'est que ça a été plus difficile de trouver des développeurs Android que des développeurs iOS. Donc en gros, je suis arrivé 6 mois plus tard, l'appli s'est ressortie 6 mois plus tard. Ensuite, le mobile, c'est quoi? En fait, le mobile, par rapport au desktop, au serveur, à toutes les plateformes qu'on pourrait connaître, je pense que ça souffre de beaucoup de contraintes. La première, clairement, la contrainte principale de mon point de vue, c'est le réseau. Pourquoi? Parce que le réseau, en fait, il peut avoir des latences plus ou moins importantes. Vous pouvez être en 4G, mais vous pouvez vite vous retrouver en 3G, voire en GPRS, je ne sais jamais le nom, ou voire pas avoir de réseau. Et c'est d'autant plus le cas lorsque vous êtes dans le train, ou lorsque vous êtes en train d'aller à la gare et que vous êtes dans le métro, et le réseau ne passe pas. Et donc du coup, sur mobile, vous devez vraiment gérer tout ça, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout 2 points, surtout le premier qui est assez évident, c'est ne pas crasher, bien sûr, mais c'est surtout le deuxième point qui est de parfaitement gérer le manque de réseau, d'être capable de fournir à l'utilisateur une expérience d'utilisation même s'il n'y a pas de réseau. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas par exemple avec un site web où on est traditionnellement branché direct à la fibre ou à la DSL et qu'on sait que ça tombera jamais. Le deuxième point, c'est la batterie. Clairement, vous n'êtes pas branché sur le secteur lorsque vous êtes en situation de mobilité et donc il faut vraiment éviter toutes les choses qui pourraient potentiellement consommer de la batterie. Donc ça veut dire essayer d'éviter tout ce qui est technique
de polling. Donc on essaie de, voilà, on évite ce genre de choses et on privilégie des technos plutôt orientés push. Et puis, bien sûr, on essaie de sideloader toutes les choses importantes sur le serveur, donc que ce soit le serveur qui calcule les grosses choses plutôt que ce soit chaque client qui se démerde à calculer les informations individuellement. Et puis un autre aspect aussi, c'est la taille de l'écran. On a beaucoup moins de pixels, pas tout à fait. En fait, on a plus de pixels maintenant sur un mobile que sur un écran d'ordinateur. Mais en taille physique, on a beaucoup moins d'espace physique, donc d'espace d'affichage sur des mobiles que sur des écrans à grosse diagonale de 22 pouces qu'on pourrait trouver dans tout foyer. Par contre, le mobile a quand même quelques avantages par rapport au desktop notamment. Le fait que vous pouvez récupérer pas mal d'informations sur la localisation de l'utilisateur. Et ça, vous pouvez vous en servir pour pas mal de choses. Par exemple, dans le cas de Capitaine Train Mobile, on s'en sert pour vous proposer la gare la plus proche. Quand vous faites une recherche, on vous propose direct, t'es à Rennes, donc je te propose la gare de Rennes en premier. Vous pouvez aussi utiliser les capteurs. Donc là, j'ai mis cette icône, j'ai eu du mal à trouver une icône pour les capteurs, donc j'ai mis une icône de cœur. Vous pouvez utiliser les capteurs de gyroscope, l'accéléromètre, et ça peut vous permettre d'augmenter la notion de contexte dont je parlais hier dans la conférence, dans votre application. Puis vous pouvez accéder aux contacts, à l'agenda, des choses comme ça, qui peuvent aussi vous permettre d'améliorer encore l'expérience utilisateur dans votre application. Alors être sur le mobile, ça veut dire plein de choses. En fait, le mobile, c'est pas juste le téléphone, ça peut être la tablette, les montres. Et en fait, on se rend compte que dans un processus de voyage, il y a plusieurs étapes. La première, c'est d'abord de regarder ce que vous souhaitez faire comme voyage, ensuite d'acheter le billet, enfin de le chercher d'abord, d'acheter le billet, ensuite vous rendre à la gare, vous voyager en train et vous rendre à destination au final. Et là, on se rend compte que chaque support, en fait, a une durée de vie ou un intervalle de vie qui est vraiment propre à ce support. Par exemple, l'ordinateur, lui, ça marche très bien pour rechercher, ça marche très bien pour acheter. Par contre, une fois qu'on commence à aller à la gare, l'ordinateur, il ne vous suit pas vraiment. La tablette, elle a une tendance un petit peu à décaler cet intervalle, plus sur la recherche jusqu'à potentiellement avant de monter dans le train. Le mobile en mode téléphone a encore plus d'intérêt parce qu'il a un intervalle qui est encore plus grand. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter, rechercher, quitter votre maison pour aller à la gare et même dans le train, vous allez pouvoir vous en servir jusqu'à l'arrivée à destination. Et puis la montre qu'on a rendue disponible sur Android l'été dernier, donc c'était en juillet, et puis plus récemment l'Apple Watch, elle a pour intérêt clairement plus pendant le voyage que l'avant-voyage. Ça n'a pas de sens d'acheter des billets directement sur votre montre. Donc en fait, son intervalle d'utilité, je dirais, ça commence à partir de l'expérience de voyage en elle-même. Et tous ces terminaux-là, en fait, on essaie d'unifier leur usage. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est toujours battu pour ça chez Captain Train, c'est d'avoir, on est obligé de se connecter, mais ça nous permet de vous rapporter une expérience unifiée parmi tous ces clients. Donc si vous avez un ordinateur, une tablette, une montre, en fait, tout ça va être interconnecté, et donc vous allez retrouver les passagers que vous avez enregistrés sur votre ordinateur, vous les retrouverez sur votre téléphone, et inversement, ceux que vous avez enregistrés sur votre téléphone, vous les retrouverez sur votre ordinateur. Donc cette expérience unifiée qui a été pas mal décriée parce que on oblige l'utilisateur à créer un compte et à se connecter, apporte au final, une fois que c'est fait, beaucoup d'avantages à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à remettre l'ensemble des informations qu'il a pu déjà mettre sur un autre terminal. Donc clairement, notre vision ici, c'est on a un compte, mais on peut utiliser N device. Et donc ça se fait comment? Eh bien, on essaie de faciliter tous ces portages-là. Donc, le problème d'avoir un compte configuré avec des passagers, des cartes de réduction, etc., c'est de pouvoir se reconnecter à ce compte. Donc pour simplifier tout ça, on essaie de mettre en place des Facebook sign-in, des Google Plus sign-in ou des automatic sign-in. Donc par exemple, avec la dernière version de Chrome, on est capable sur Android de récupérer des credentials qui ont été utilisés sur le Chrome web, enfin desktop. Et on est capable du coup d'utiliser ces credentials automatiquement pour l'application et faire un sign-in automatique de l'utilisateur. Voilà, donc moi ça c'était vraiment l'introduction et un peu comprendre comment on est passé, enfin dans quel contexte on se trouve en fait chez Capitaine Train lorsque on a souhaité faire une application, des applications mobiles. Et donc quand on a
voulu faire tout ce pan en mobile chez Captain Trans, s'est posé une seule question. Et là, c'est simple. En fait, l'expérience utilisateur, elle commence déjà par cette question-là, c'est de savoir ce que veut l'utilisateur. C'est pas, ça n'a pas de sens de développer une application si derrière, elle n'est pas utilisée. Donc, il faut vraiment essayer de se mettre dans la tête des utilisateurs d'abord. Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez essayer de répondre aux problématiques des utilisateurs. Et donc, nous, on est arrivé à une chose assez simple, c'est qu'on s'est dit, la première version de l'application, au final, elle doit tout faire, faire tout ce que fait le site web. Donc, tout ça, ça voulait dire beaucoup, beaucoup de travail. Ça voulait dire être capable de rechercher et d'acheter et de retrouver vos billets. Pour avoir vraiment cette étendue, cet intervalle là sur la durée du voyage, avant-voyage, l'après-voyage. Et donc, pour éviter de partir dans des tunnels de développement de 2 ans, 3 ans, on a dû simplifier autrement. En fait, on a simplifié tout simplement en regardant nos données. On s'est rendu compte que, on le savait déjà, que la plupart de nos revenus en fait venaient directement de la SNCF. Donc on a simplifié l'application pour sa première version en se concentrant uniquement sur un transporteur qui était la SNCF et en laissant la Deutsche Bahn, les TGV, les bus à l'époque un peu de côté. Et en fait, ces transporteurs, ils ont été mis au fil de l'eau au fur et à mesure des versions parce qu'ils demandaient des notions qu'on n'avait pas besoin avec la SNCF, notamment avec la Deutsche Bahn, vous avez besoin de documents d'identification, donc vous avez besoin d'enregistrer tout ça lorsque vous achetez. Et puis IDBus, IDTGV ou Ouigo fournissent des services quand vous voyagez, comme acheter un sandwich, accéder à une tablette, des choses comme ça, et ils souhaitaient avoir accès à tout ça. Donc on préférait ne pas mettre ces transporteurs dans la V1 pour se concentrer sur une expérience simple, sur un transporteur unique, mais qui couvrait, on va dire, 90% de nos utilisateurs. Ensuite, on a aussi réfléchi du coup à l'interaction entre le client et le cloud. Donc, dans un cas classique, on va dire, le desktop et le mobile se comportent à peu près de la même façon. Par contre, une fois que vous avez perdu votre connexion, comme je le disais, on se rend compte que le desktop, lui, il marche plus très bien et ça, faire ça sur mobile, ça n'a vraiment pas de sens. Parce que quand vous êtes en situation de mobilité dans le train et que vous avez besoin de votre billet pour le présenter au contrôleur, si ça ne marche pas, c'est un petit peu gênant. Donc on a vraiment réfléchi à tout ça et on est arrivé à plusieurs conclusions qui étaient assez simples, qui est que l'application Captain Train Mobile devait fonctionner avec ou sans réseau. Alors bien sûr, elle ne peut pas permettre de chercher des billets de train si elle n'a pas de réseau, parce qu'on a besoin de se connecter sur les serveurs de la SNCF, mais par contre, elle peut très bien afficher des billets, elle peut même vous permettre de supprimer des passagers, enfin voilà, on a rajouté quelques petites fonctionnalités comme ça, qui peuvent se faire totalement en asynchrone, donc vous supprimez en fait un passager, il n'est plus visible dans l'interface, mais une fois que vous récupérez le réseau, vous envoyez l'information de suppression de ce passager au serveur. Et puis on a aussi mis en place d'autres petites choses comme ça, comme les suggestions de recherche. Donc quand vous arrivez sur le site web, vous pouvez chercher un Paris-Nantes, ou Paris-Rennes, pardon. Quand vous cherchez Rennes, on va vous proposer Rennes, mais en faisant en fait une demande au serveur, qu'est-ce qu'il y a qui commence avec RE ? Et bien vous proposez Rennes. Ça en fait, on s'est dit, ouais, mais si on le fait sur mobile, ça veut dire que l'expérience, le premier onboarding, il va être un petit peu biaisé, surtout si la personne n'a pas de réseau. Parce que Rennes, on ne sera pas capable de le proposer. Donc en fait, toute la liste des gares, par exemple, est bundlée directement dans les applis mobiles. Comme ça, on est capable de vous fournir directement ces gares et avoir un onboarding le plus adéquat possible dans cette situation de mobilité. Et puis ensuite, un autre point qu'on a dû gérer, c'est comment faire rentrer cette interface dans un mobile. Donc voilà ce que ça donne. Si vous allez sur captaintrain.com, sur Android, sur votre Chrome actuel, voilà ce que vous allez voir. Donc, bon courage pour arriver à cliquer sur la gare, je ne sais même pas ce qui est écrit, je suis en train de me péter les yeux. Si vous souhaitez tout simplement chercher une OV ici, bon courage quoi. Donc, vous pouvez zoomer, etc., mais l'expérience, clairement, elle n'est pas idéale. Donc en fait, on est arrivé à quelque chose qui est un petit peu différent. Voilà à quoi ressemble en fait l'application. Donc, vous pouvez cliquer sur From, vous cliquez sur Paris, tout, et puis vous allez à Rennes, vous cliquez sur Rennes. Voilà, ensuite, vous sélectionnez votre passager, faites OK, et vous pouvez lancer votre recherche. Voilà. Donc en fait, on a réussi à mettre un écran qui était dédié plutôt à un écran d'ordinateur dans en fait un écran avec pas mal de transitions et de transitions entre écrans sur mobile. Et ça, c'est un travail qu'on a dû vraiment sur lequel on a dû vraiment se plancher. Et on en est arrivé à plusieurs points. Enfin, globalement, quand vous faites du mobile, voilà à quoi il faut essayer de réfléchir. Déjà, il faut s'assurer que toutes vos
Toutes les interactions se font sur alors en français, comment dire ça, des zones touchables assez importantes. Voilà, parce que le doigt, voilà, il peut faire à peu près 40 pixels, 40 dp sur 40 dp, en général on considère ça. Il faut essayer de séparer les écrans tout simplement, parce que là où vous aviez deux écrans côte à côte sur le web, bah, on n'avait pas la place sur mobile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que vous cliquez, en fait on remplace l'écran du formulaire avec le sous-formulaire qui va vous permettre en fait de remplir ce champ. Donc une fois que je clique sur From, je m'affiche le From et je mets le panneau qu'on a à droite sur le web. Pareil pour le tout, dès que vous cliquez sur tout, on n'affiche que le tout et on affiche les propositions pour ce champ de tout. Et pareil pour les passagers et pour chaque champ. Vous devez aussi vous assurer que la navigation elle est aussi simple que possible. Ça c'est quelque chose que les utilisateurs sur mobile sont vraiment apprécient vraiment, ils sont même coutumiers de ce fait-là. Je pense que c'est surtout par la qualité des applications de Google et d'Apple en l'occurrence. Donc en fait les gens s'attendent à la même qualité d'application lorsqu'ils utilisent des applications tierces. Et vous devez vous assurer que la navigation elle correspond avec ce à quoi l'utilisateur s'attend. Et puis vous devez focus on content, donc c'est vraiment vous concentrer plutôt sur le contenu je reviendrai un petit peu là-dessus, mais la marque ne doit pas vous servir de contenu. Le contenu, c'est clairement les gares, les billets, c'est les passagers. Donc c'est des notions clairement que l'utilisateur doit connaître, et ce n'est pas du tout la marque qui vient remplir l'interface graphique. Au final, c'est quoi le mobile? Pour moi, si je le résumerai assez simplement, c'est « keep it simple, stupid ». Tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de simple, et les utilisateurs s'attendent vraiment à ça quand ils comparent à d'autres applications d'Apple ou de Google par exemple. Donc voilà à quoi on est arrivé au final. Donc là j'ai fait une carte en fait de l'application Android. Donc là c'est l'application Android. Vous voyez, plus vous descendez en profondeur, plus vous allez en profondeur dans l'application. Donc en clair, quand vous êtes ici, il faut 1, 2, 3 bacs pour revenir ici. Ou un home pour sortir directement, mais globalement ça vous permet de comprendre un petit peu la profondeur de l'application. Et puis sur le côté horizontal, vous allez retrouver en fait les différents aspects qu'on peut trouver en cliquant sur un bouton ici, bah, j'arriverai ici, quand je clique ici j'arrive là, quand je clique là j'arrive là. Enfin, voilà. Donc, on voit vraiment une carte globale de l'application et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'écrans ici que ce qu'il y en avait sur le web, quoi. Le web est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de place et que c'est pas possible d'afficher tout ça. Et puis la dernière dimension que j'ai essayé de présenter ici, mais que c'est pas facile, il faut avoir le Photoshop pour bien comprendre. En gros, c'est le Z. Donc sur l'axe Z, en fait, vous allez trouver un même écran, mais dans différents états. Donc un état, ça peut être, par exemple, vous affichez des billets, il n'y en a pas. Donc on affiche quelque chose de différent quand il n'y a pas de billets que quand il y a des billets, puisqu'on affiche la liste des billets. Ou si vous avez une erreur, on peut avoir un autre état aussi. Et donc tout ça, il y a énormément d'écrans. Là, vous avez les billets. Donc, vous pouvez commencer une annulation et valider une annulation. Là, c'est les paramètres. Enfin, voilà, il y a énormément d'écrans. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, essayez pas d'être narcissique, de vous recentrer sur vous-même. L'expérience utilisateur sur mobile, clairement, elle doit s'abstraire de la marque, de la mise en avant de la marque. Donc, quand vous regardez en fait l'application Capitaine Train, bon courage pour trouver le logo Capitaine Train, en fait. La marque elle passe pas par ça en fait chez nous, elle passe vraiment par l'identité visuelle, par notre ton à l'écrit, par des anti-states par exemple qu'on voit ici. Donc là clairement, moi quand je vois à chaque fois ce petit graphique là, je pense direct à Capitaine Train parce que je sais que c'est notre style graphique, ou par un tutoriel par exemple. Alors en fait c'est pas tout à fait vrai, il y a quand même un endroit où la marque est présente et c'est l'icône de l'application. Et en fait, quand on regarde l'application, c'est le point d'entrée principal. En vrai, il y a deux fois l'icône. Elle est présente sur l'icône et ensuite aussi sur la première fois où vous démarrez l'application. Mais à part ça, vous n'allez pas la trouver du tout dans l'application. Et tout simplement parce que pour nous, on veut pas. Notre objectif, c'est pas de mettre en avant Capitaine Train. De toute façon, si vous avez cliqué sur Capitaine Train, vous nous connaissez déjà. On n'a pas besoin de faire de la promo sur un truc que vous avez déjà sur votre téléphone. Notre objectif, c'est clairement que vous rentriez sur Capitaine Train. L'application mobile, que vous achetiez votre billet ou vous regardiez votre billet et que vous en sortiez le plus vite possible. Si vous en sortiez le plus vite possible, c'est qu'on a gagné, quoi. C'est que vous avez vraiment réussi à vous fournir le service comme on l'entendait. Et en fait, il y a quand même un dernier point
qui décrit votre marque. Bah, c'est tout simplement l'expérience utilisateur. Donc chez nous, c'est quelque chose sur lequel on se bat beaucoup parce qu'on pense que c'est comme ça que Captain Train est connu et que Captain Train doit être connu. Tout simplement, l'expérience utilisateur suffit à décrire le service. Donc les gens sont habitués à acheter un billet de façon facile, enfin, de la façon la plus simple possible, de voyager avec des notifications de voyage, on y reviendra un petit peu par la suite, qui s'affichent tout au long du trajet et qui viennent encore améliorer cette expérience utilisateur. Alors tout ça c'est bien, mais c'était vraiment le côté un peu voilà, global du mobile. Mais en fait, dans le mobile, il y a plusieurs plateformes, mais chez nous, il y en a deux. Je pense que dans la plupart des boîtes, il y en a beaucoup d'eux. C'est Android et iOS, bien sûr. Et en fait, il faut pas oublier cette différence-là. Android n'est pas iOS, iOS n'est pas Android, le web n'est pas le mobile. Voilà. Donc chaque plateforme a ses particularités et il faut vraiment en tirer parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à aller au-delà de l'app. L'app, c'est pas juste une facile sur laquelle vous appuyez sur un démarreur d'application. Non, ça peut aller plus loin que ça. Et en fait, on peut utiliser chaque particularité de plateforme. Par exemple, sur iOS, ce qu'on a fait, mais c'était même avant qu'on ait une application iOS, on a créé les passbooks. Donc on était les premiers à faire des passbooks pour le train sur iOS. Et donc ça, c'est une application qui est complètement externe à l'application Capitaine Train iOS, et qui passe via les mails, tout simplement. Donc quand vous achetez un billet sur le web, vous recevez un passbook que vous pouvez mettre directement sur votre iPhone et présenter au contrôleur. Et ce qu'on a fait plus récemment, parce que Google a ouvert un petit peu ses API là-dessus, c'est qu'on a intégré Google Now. Donc en fait, automatiquement, la Google Now étant une solution plutôt Google, eh ben, on va être affiché un peu de la même façon sur Google Now. Donc Google va vous dire, bah, en fait, dans 30 minutes, tu dois partir parce que tu dois aller à la gare. Et donc tout simplement, c'est parce qu'on envoie les informations dans les mails à Google pour que ce dernier soit capable d'afficher une fiche Google Now sur Android. Une autre petite particularité, chaque plateforme a ses particularités. Sur iOS, on a un widget qu'on appelle le Today Widget. Donc, sur iOS, en fait, vous pouvez... il y en a qui ont un iPhone ici. Ouais. Bon, je vais juste décrire du coup un petit peu la différence entre Android... Les autres ont un Android ? Oui. Okay. Donc, la différence entre Android et iOS, on va dire, c'est... donc vous avez un système de notification sur Android qui est bien connu. Vous tirez de haut en bas. Ça existe depuis la version 1 d'Android. Et elle vous affiche des notifications qui sont fonction de votre contexte actuel. Donc plutôt, vous venez de recevoir un mail, vous allez à tel endroit. Donc c'est vraiment, vraiment sur l'instant actuel. Apple, en fait, lui, a séparé les deux choses. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé les notifications. Donc par exemple, quand vous avez des mails, sur Android, c'est mélangé, mais eux, ils ont séparé, pardon, les notifications et ce qu'ils ont appelé aujourd'hui. Donc en fait, les notifications, ça va être j'ai reçu un mail, t'as un nouveau SMS, etc. Et puis aujourd'hui, qui est plus des sortes de widgets qu'on va pouvoir intégrer et qui décrivent votre journée à venir. D'accord ? Donc c'est beaucoup moins, c'est un petit peu moins dans l'instant, enfin les notifications sont dans l'instant, mais la partie aujourd'hui est un peu moins dans l'instant que sur Captain Train Android, où là c'est vraiment beaucoup plus dans l'instant. Et donc dans ce panneau aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement été rajouter des informations pour dire, au fait, tu as un train qui part de Lyon-Perrache et qui va à Paris-Gare de Lyon, à telle plateforme, à telle heure, etc. Alors que sur Android, le comportement est un petit peu différent. Parce que sur Android, on n'a pas ce principe de today, on a vraiment un principe de notification qui est plutôt dans l'instant. Et bien, en fait, ce qu'on va afficher, c'est que le trajet est imminent. Et en fait, ce trajet imminent, c'est dans les 20 minutes qui arrivent. Voilà. Et on va modifier cette notification au fur et à mesure de l'avancement du voyage. Donc là, en fait, c'est 20 minutes avant, ben je sais que la personne doit partir. Dès qu'on a la voie qui est disponible, on l'envoie et la notification est mise à jour. Donc là, on affiche bien voie 3. Et puis quand on commence à voyager, ben, la notification se change et pour afficher des informations qui sont nécessaires au voyage. Et donc quand vous êtes dans le train, il n'y a plus besoin de dire votre voiture 20 et place 54 et 56. Ça n'a plus vraiment de sens. Donc en fait, ce qui reste important pendant le voyage, c'est d'afficher potentiellement l'aspect code, parce que c'est ça qui va être nécessaire au contrôleur pour vous contrôler. Donc ça, c'est le côté bien comprendre qu'on peut faire faire passer un produit dans autre chose que son app personnelle. Et il y a aussi un autre aspect, c'est de bien épouser le langage visuel de chaque plateforme.
iOS, encore une fois, visuellement est complètement différent d'Android. Android a ses particularités. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le premier écran de l'application. Là, vous avez à gauche ce que donne iOS et à droite ce qu'on a sur Android. Et on se rend compte qu'il y a une chose quand même assez, assez différente, c'est le menu, enfin la barre d'onglet, qui est la base de la navigation de l'application, qui est présente en bas sur iOS parce que les guidelines d'Apple les indiquent comme ça, alors que sur Android, normalement, elles sont en haut. Donc on les a placées en haut parce qu'elles doivent être en haut sur Android et que les gens s'attendent à ce qu'elles soient en haut. Donc, vous allez me dire, ouais, mais du coup, les boutons, ils sont là-haut, ils sont compliqués à atteindre sur Android, c'est peut-être mieux sur iOS. C'est pas déconnant. Sauf que, en fait, il y a le problème d'un screenshot, c'est qu'il n'y a pas les animations, mais en vrai, et les interactions. Et en fait, dans les interactions sur Android, lorsque vous mettez des tabs, il doit normalement y avoir une possibilité de swiper horizontalement. Donc en fait, là, vous allez être en mesure de swiper à partir d'ici pour passer à l'onglet suivant. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au final, les onglets là-haut ne sont pas vraiment utiles en termes d'interaction, ils sont plutôt utiles en termes visuels pour vous indiquer là où vous vous trouvez. Et donc cette interaction, vous allez me dire, ouais, mais elle n'est pas visible, etc. Mais en fait, oui, elle n'est pas visible, mais c'est là la différence, je dirais, plus de Android versus iOS. iOS a une tendance plus à montrer les choses, donc à plus éduquer l'utilisateur, alors que sur Android, c'est plutôt sur un modèle de récurrence. Donc en gros, sur chaque application, c'est comme ça. Donc l'utilisateur, une fois qu'il a trouvé, il sait que sur chaque application, il peut changer d'onglet en faisant un swipe horizontal. Il y a aussi le fait que les téléphones Apple, ils sont restés petits, il n'y a que le dernier. Oui, alors c'est grand. C'est plus vraiment... que les écrans Android, ils sont beaucoup plus grands en moyenne. Oui, tout à fait. Alors maintenant, c'est, voilà, c'est plus trop vrai, c'est plus trop vrai. Voilà. Il y a encore un an. Exactement, c'est ça. Donc par contre, par exemple, sur un iPhone 6 Plus, c'est pas gênant, oui. Parce que de toute façon, la table d'art reste en bas. Et sur tablette également. Une autre différence dont je parlais tout à l'heure, c'est l'icône. L'icône sur iOS, elle respecte les guidelines d'iOS avec des coins arrondis, alors que sur Android, ça doit plus exprimer une métaphore. Les guidelines sur Android, c'est de montrer en fait un objet qui va être avec lequel vous allez interagir dans cette application. Et quoi de plus significatif pour Captain Train que des billets de train? Donc en fait, on a placé des billets de train, on les a mis les uns derrière les autres, et pour un petit peu afficher la marque, parce qu'on l'affiche nulle part, on s'est dit, on va remplir le premier billet avec l'icône de Captain Train. Mais le design, en fait, c'est vraiment une balance. C'est vraiment, moi, je le décris toujours comme ça, c'est essayer d'avoir le meilleur à partir d'un ensemble de contraintes. Et c'est pas facile, ces contraintes, il y en a beaucoup, c'est les guidelines de chaque plateforme sur l'aspect visuel et l'aspect ergonomique, c'est le look and feel, c'est l'utilisabilité, la marque, le marketing, le produit qui peut demander quelque chose. Donc vous remettez tout ça dans une pièce, et puis vous essayez de faire sortir un truc qui fait consensus pour tout le monde, qui plaît à tout le monde. Alors c'est pas facile, ça demande beaucoup de temps, des fois il y a beaucoup d'énervement, donc ça tire plus du côté marketing ou ça tire plus du côté technique. Mais c'est ça le design. Le design, c'est vraiment essayer de s'en sortir avec toutes ces contraintes et de sortir le meilleur de tout ça. Et je pense que un petit exemple, alors c'est la première fois que je montre ça, normalement c'est vraiment tout le temps resté en interne, c'est le design de l'icône. En fait, il y a eu beaucoup de design de l'icône de l'application Android, et donc on en est arrivé à celle-là, mais en fait il y en a eu plusieurs avant. Et elles sont toutes restées internes. Jusqu'à aujourd'hui, puisque je vous les présente. Et je vais vous présenter un peu le processus qu'il y a eu, par exemple, autour de ces icônes. Donc la première icône qu'on a eue, c'était celle-là. Donc là, vous allez voir, c'est presque la même, en fait. Là, le problème, c'est qu'on avait des choses plutôt arrondies, alors que sur Android, on les arrondis, globalement, on en a beaucoup moins que sur iOS, par exemple. Donc on a essayé de faire une icône, un peu sur le même style, avec toujours un peu cet effet sur le Z-axis, l'axe des Z, en gardant un peu cette profondeur, mais en gardant des coins un peu plus carrés. Et puis là, on a commencé à faire un petit retour en interne, puis les gens nous ont dit « Ouais, mais c'est cool, mais ton gris sort d'où, Cyril ?» Ah, c'est vrai que dans l'application, on est vert partout. Alors on a essayé du vert. Puis là, on s'est dit « Je suis parti vomir. » Et j'ai dit « Non, ça ne peut pas le faire en vert, dans l'appli peut-être, mais pas en icône, quoi. » Donc là, on s'est dit, ouais, puis en plus, le problème, la métaphore, elle est où, quoi? Là, c'est juste une pastille, tu cliques, c'est pauvre, quoi. Ça manque du petit effet waouh qu'on cherche tout le temps chez Captain Train. Donc là, on a essayé de s'orienter vers d'autres choses. Donc on a déjà pensé à la métaphore, et la métaphore, clairement, ce qui nous est venu, c'était les billets. Donc on en est arrivé un petit peu à cet aspect-là.
avec un ensemble de billets qu'on met dans un portefeuille. Et puis bah là, ce qui nous choquait un petit peu, c'était déjà que l'école blanche sur un fond blanc, elle ne ressentait pas très bien malgré l'ombre. Et puis les billets, en fait, toutes ces couleurs, il y avait trop de couleurs. Vraiment trop de couleurs qu'on ne trouve même pas dans l'application. Donc c'était un peu gênant d'inclure du jaune, du bleu, du vert. Ça n'avait pas trop de sens sur notre appli. Donc on a fait une petite variante ici, sur fond, donc un portefeuille plutôt noir, avec beaucoup moins de couleurs, les billets un peu moins droits, donc un peu plus voilà, de. Comment dire, de. Enfin, les choses moins droites, quoi. Alors, un peu plus freestyle. Et puis bah, moi personnellement j'aimais beaucoup. Moi j'ai dit ouais, on y va avec ça, il faut qu'on avance et je la trouve vraiment bien, elle correspond bien à Android, elle correspond bien à la marque, elle est sympa. Et puis après en rentrant chez moi le soir, je me suis dit ouais, mais il y a quand même un problème, je l'adore, mais elle ressemble à quelque chose et je sais pas quoi. Et dans ma nuit, je me suis levé le matin, enfin le matin je me suis réveillé et je me suis dit bah oui, je sais à quoi elle ressemble. Elle ressemble à Passbook sur iOS. Et donc on pouvait pas vraiment essayer de s'identifier à l'icône de Passbook sur iOS, c'était gênant de récupérer un petit peu cette même métaphore et ce même principe. Donc on a retravaillé l'icône et on est arrivé sur juste l'utilisation des billets, parce qu'au final le portefeuille, c'est pas vraiment ce qu'on est, hein. C'est plutôt des billets, on vend des billets, mais on n'est pas que un portefeuille de billets, et on est arrivé du coup sur l'icône que vous avez en haut à droite. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions sur la marque, sur les couleurs, sur ce que l'expérience utilisateur que l'utilisateur va avoir juste derrière. Mais en fait, le design, alors ça c'est pareil, c'est ultra. Voilà, c'est même pas sorti ça. Donc, c'est un truc que j'ai fait il y a un mois, voilà, j'ai essayé de faire des expérimentations, mais l'objectif ici c'est pour vous montrer que le design c'est jamais fini, quoi. Il faut s'adapter. Donc ça, on l'a sorti, c'était avant que Material Design soit annoncé par Google. Donc ça collait parfaitement à la plateforme. Maintenant, ça commence à être un peu vieillot parce que les icônes dans Material Design, elles ont beaucoup moins de profondeur, elles sont plus en mode ce qu'ils appellent paper ou quantum paper, donc plus des couches de papier avec un jeu d'ombre beaucoup plus prononcé, notamment avec des longs shadows. Bon, on ne voit pas très bien parce que le projecteur, voilà. Mais en gros, il faut vraiment imaginer plus, on a une lumière ici, et on essaie de voir ce que ça peut donner sur les volumes, les ombres. Qui sont projetés suite à cette lumière. Donc voilà, donc on arriverait potentiellement à quelque chose d'un petit peu différent, qui n'est pas totalement disruptif par rapport à l'icône qui existe actuellement, mais on pourrait imaginer qu'on arrive là-dessus. Je ne vous promets pas, ici, ce qui se passe dans cette salle reste dans cette salle, on est d'accord? Sinon, je me fais démonter. Et puis, une dernière partie que je pense qui est super importante, parce que. Enfin, vous allez me dire, ouais, on a parlé de design, tout ça, on va parler un peu plus technique, mais je ne vais pas montrer de ligne de code encore. Mais que je pense qu'il fait partie quand même de l'expérience utilisateur, c'est la façon dont vous réalisez votre app. Donc une fois que vous avez votre application, qu'est-ce que vous faites quoi, avec votre application? Bah, déjà, pour le design, comme je disais, c'est jamais fini. En fait, ce design, c'est jamais fini parce que vous faites un processus de boucle qui vous permet de revenir tout le temps au même endroit et d'essayer d'améliorer ce produit. Et le processus que j'ai utilisé majoritairement pour moi, c'est le dogfooding. Pourquoi? Parce que j'habitais à Lyon à l'époque, maintenant j'habite à Nantes, et je travaille à Paris, les bureaux de Captain Prince sont à Paris. Donc je fais beaucoup d'allers-retours, et ça me permet de comprendre ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui ne va pas dans l'application, et ce qui manque dans l'application. Et c'est ça qui est ce qu'on appelle le dogfooding, donc en gros manger sa propre bouffe, la bouffe du chien. Donc ça permet de trouver les problèmes, mais ça permet aussi de trouver tout ce qui manque. Et par exemple, Android Wear était clairement une fonctionnalité que j'ai rajoutée parce que c'était un manque que j'avais avec ma montre dans Captain Train. Donc je l'ai rajoutée suite à un scénario dans la vie réelle. Une fois que ça marche, bah vous pouvez commencer à faire un autre type de dogfooding, si je puis dire, ou en tout cas un autre type de testing, c'est de commencer à ouvrir un peu votre application à des testeurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trié sur le volet, donc déjà les gens, ça faisait 2 ans qu'ils demandaient l'application Android, donc on a été voir ces personnes-là d'abord. Puis on a aussi vérifié que bah, c'était des clients qui utilisaient beaucoup le train. Parce que si vous mettez en bêta testing des gens qui utilisent une fois le train dans l'année, votre phase de test, ça va durer très longtemps, quoi, si vous voulez qu'ils aient un retour sur une vraie situation réelle. Donc en fait, on a trié sur le volet 50 testeurs qui utilisaient beaucoup le train, qui ramenaient un chiffre d'affaires plutôt conséquent à Capitaine Train. Et puis, on leur a envoyé un petit mail en parlant de s'ils en parlaient, on tue un chaton, enfin voilà, il y avait plein de petites choses. Mais encore une fois, ça, c'est le ton Capitaine Train, c'est le ton qui fait que l'expérience utilisateur est sympa. Et ça nous a permis d'avoir pas mal de feedback. Donc, sur
les fonctionnalités qui manquaient, donc on savait à peu près déjà ce qui manquait, mais en gros on a vu par les remontées vraiment ce qui manquait sur l'interface graphique, les aspects qu'ils trouvaient bizarres, sur l'ergonomie, donc il y a eu pas mal de retours notamment sur ce fameux écran de recherche, il y a eu des retours aussi sur l'icône, donc l'icône en bêta n'était pas celle que je vous ai montrée tout à l'heure, les points bloquants, voilà, donc le bêta testing permet vraiment de faire tout ça. Et puis il permet aussi de voir les crashs. Alors les crashs directement, en fait, il ne faut pas trop reposer sur les testeurs pour remonter les crashs. Il faut plutôt installer des solutions comme Crashlytics qui vous permet de remonter de façon complètement transparente pour l'utilisateur les crashs. Comme ça, vous savez que quelque chose a crashé, donc vous avez la stack trace, vous n'avez pas exactement le scénario d'utilisation de l'application par l'utilisateur, mais vous savez où ça a crashé, où potentiellement vous pouvez corriger ce problème. Et donc là, j'ai mis une petite icône. C'est l'icône du Play Store. Pourquoi le Play Store? Parce qu'en fait, le bêta testing, vous pouvez le faire à la main, donc en envoyant des APK par mail à tous les gens. Mais nous, on n'a pas choisi cette solution-là. On a choisi d'utiliser ce qu'ils appellent les channels sur Google Play. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de contrôler ces canaux de communication. Donc clairement, en gros, vous avez trois canaux, donc l'alpha, la bêta et la production. Nous, on utilise beaucoup le canal bêta, en fait, pour pousser une version de l'application uniquement à un ensemble de testeurs. Donc ça, de notre point de vue, c'est plutôt pratique, mais c'est aussi super pratique du point de vue des utilisateurs, parce qu'en fait, ils utilisent le Play Store comme ils l'utilisent tous les jours. Les mises à jour se font via le Play Store, ils voient l'application dans le Play Store, alors que les autres ne le voient pas. C'est parce qu'ils sont dans le groupe bêta qu'ils ont accès à cette application dans le Play Store. Et puis une fois qu'on pousse, par exemple, une autre bêta, bah, automatiquement, ils reçoivent une mise à jour via le Play Store de façon totalement transparente pour eux. Donc comment on release? Eh ben en fait, ça peut paraître marrant parce qu'on suit le modèle release train. Donc ça, c'est surtout sur Android. Là, je vous parle beaucoup d'Android parce que c'est ce que je gère chez Captain Train. Voilà ce qu'on a mis en place. C'est ce qu'on appelle le release train model. Donc en gros, le release train model, c'est de ne pas se dire je sors à l'application à telle date, etc. En gros, vous avez un groupe de développeurs donc, que j'ai représenté ici avec deux petites icônes, mais plus que ça, on est trois sur Android. Mais au lieu de dire je sors après dès que la feature est finie, je pars plutôt sur un modèle où en fait j'ai une timetable de train et je sais que le train il part à telle heure, c'est tout le temps cette heure. Donc là j'ai représenté mon train, en fait c'est une version, donc mon train il part ici et il part ici, le train de la V2 part ici, le train de la V3 part ici, bah, c'est tout quoi. Ça c'est des choses qui sont complètement statiques, immutables, qu'on ne peut pas changer. Et ensuite, chaque version, en fait, peut être considérée, du coup, comme je disais, comme un train qui débarque. Et puis, les développeurs travaillent sur une feature A, B, C, D. Et puis, là, ils sont arrivés, en fait, sur la date qu'on avait donnée. Donc, c'est la date du train. Le train part à cette heure-là. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met, en fait, tout ce qui a été fait. Donc, A, B, C sont testés, sont valides. Donc, on met ça dans le release train de la V1. Et puis, on continue comme ça. On continue D, parce qu'on n'avait pas fini D. On fait E, F, G, H. Et puis, on arrive, il y a une deadline, enfin, c'est même pas une deadline, enfin, nous, on les appelle même pas comme des deadlines, c'est vraiment une release train. Et donc, on va pareil, on va mettre tout ce qui est disponible et on met ça dans la V2. Donc voilà, donc ce modèle-là, il a vraiment plusieurs avantages. Donc, d'un point de vue développement, ça nous évite d'avoir des deadlines où on est obligé de foncer pour mettre la fonctionnalité juste à cette deadline-là, parce que c'est clairement pas quelque chose qu'on veut, on veut vraiment respecter nos standards de qualité, et donc, si une feature n'est pas finie, on ne la met pas du tout dans la prochaine version. Et donc les release train permettent vraiment cet aspect-là. Quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le release train qu'on arrive au release train, on release ce qu'il y a de disponible, mais si ce n'est pas prêt, ça sera dans le prochain, ce n'est pas très grave, ça peut attendre. Quoi. C'est vraiment vrai surtout parce que nos release train, donc je vais venir un petit peu après, sont pas espacés de beaucoup de semaines, donc au final, quand on repousse une feature, ce n'est pas pour énormément de temps. Et puis aussi, ça marche parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on mettait, les features, elles étaient tout le temps prêtes. Mais maintenant, on commence un petit peu à modifier ça en commençant à afficher des switches d'activation des fonctionnalités. Donc en clair, une fois qu'une fonctionnalité est finie, on peut la pousser, mais on veut être capable, soit à distance, donc via le serveur, soit en republiant, d'activer facilement une fonctionnalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire suite aux demandes en fait.
Ça peut être après du côté product, ça peut être le back-end, disait ouais, mais l'API, elle marchotte, mais moi j'aimerais bien un peu la cleaner parce qu'elle n'est pas super rapide, essayer de ne pas trop taper dedans. Donc en gros, bah, là on dit ok, on la met, c'est en prod, mais ce n'est pas activé. Le marketing qui peut dire ouais, mais on n'est pas prêt du tout, nous, il faut qu'on fasse la newsletter, il faut qu'on commence à faire de la com, etc. Ou le côté légal. Bah oui, le problème c'est que vendre des billets de train. En Italie, par exemple, quand les avocats ne sont pas d'accord avec ça, parce que dans le contrat, c'est interdit de vendre des billets de train en Italie, bah d'abord, il faut régler ce problème-là. Mais techniquement, on peut être prêt déjà. Donc ça, c'est des aspects qu'on peut mettre en place. Et donc, tous ces release trains, donc, comme je le disais, bah, suivent en fait une suite de semaines qui est tout le temps la même. En fait, on release toutes les 6 semaines. Alors, je vais venir pourquoi toutes les 6 semaines. On va d'abord regarder un petit peu comment ça marche. Donc, en gros, je veux faire une version N. Bah, l'équipe travaille, donc première semaine, elle travaille, week 2, 3, jusqu'à 5, comme ça. Et puis en 5, on dit feature freeze. Donc, ça veut dire quoi, feature freeze? Ça veut dire que clairement, si la feature n'est pas finie, elle n'est pas en mode en review actuellement, on ne va pas l'intégrer, même si elle est finie juste après, dans la semaine qui suit. Tout simplement parce qu'on considère que. À ce stade-là de l'évolution de la version, si vous commencez à modifier des choses, c'est plus risqué qu'autre chose. Donc, il vaut mieux essayer de repousser la feature à la version d'après. Ensuite, vous avez une semaine de bêta. Et donc, en fait, cette bêta, qu'est-ce qu'elle va, elle va permettre quoi? C'est-à-dire que le fameux pool de testeurs, il va être en mesure d'utiliser l'application, potentiellement de faire des retours. Il va nous remonter des crashs même sans le vouloir. Et puis, une fois que la semaine de release... la semaine de bêta est terminée, on release. Et en fait, tous ces traits-là, c'est le mardi. Pourquoi le mardi? Alors, le mardi, comme je le disais, en fait, moi j'habite à Nantes et je monte à Paris 3 jours par semaine. Donc, le mardi, c'est le jour où je suis à Paris, je retrouve mes collègues. Donc, c'est clairement un jour où c'est plutôt intéressant pour nous, sachant que le lundi, on est plutôt en mode dépilage de mails. Le mardi, c'est aussi une bonne date dans la semaine parce que s'il y a un gros problème, bah, vous avez 4 jours derrière pour corriger votre application. Et puis, c'est aussi une date qui est reconnue dans le marketing comme étant une date où la communication a le plus d'impact. Tout simplement parce que le mercredi, les gens sont partis chercher leurs enfants, voilà, ils ne s'occupent pas trop de ça. Le lundi, ils sont retour du week-end, ils ont encore la tête dans le cul. En fait, le mardi et le jeudi, c'est les deux jours les mieux pour faire des press releases. Donc, lorsque vous publiez, bah, le mardi est une bonne date. Et puis, pourquoi 6 semaines? Pourquoi 6 semaines? Parce qu'en fait, ça c'est clairement une valeur empirique. Donc, sur mobile, vous ne pouvez pas vous permettre, pour ne pas gêner les utilisateurs, de publier toutes les semaines. Faire de l'intégration continue, comme on peut le faire sur serveur, ça c'est bien parce que c'est transparent. Enfin, c'est complètement transparent sur un site web ou sur un serveur, mais ça ne l'est pas du tout dans le mobile. Si vous commencez à publier... toutes les semaines, il va y avoir une notif, ouais, Capitaine Train se met à jour, Capitaine Train se met à jour, on va direct se taper des mauvaises étoiles. On en a déjà eu des fois sur on publiait une version de fixe et on a eu des mauvaises notes parce qu'on publie trop, quoi. Donc il ne faut vraiment pas essayer de trop publier, mais en même temps, on est développeur, donc publier tous les ans, c'est pas possible parce que ça veut dire que quand vous sortez quelque chose, c'est plein de bugs et il n'y a pas assez de retour. Donc 6 semaines, ça permet vraiment de répondre à ces deux composantes-là de la situation. Et puis 6 semaines aussi, c'est une bonne valeur parce qu'on se rend compte qu'en 6 semaines, on a le temps de faire forcément une ou deux fonctionnalités intéressantes qui sont, on va dire, marketables. Et donc si vous commencez à publier tous les jours, là clairement, le marketing, et bah ouais, mais j'ai rien à dire. Par rapport à hier, il n'y a rien qu'à changer. Par rapport à avant-hier, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Quand vous dites je release toutes les 6 semaines, vous avez un nombre de fonctionnalités qui est plus important. Et donc le marketing a plus d'impact parce que les fonctionnalités sont normalement un peu plus importantes et surtout elles sont plus impactantes pour l'utilisateur. Et donc pourquoi cette semaine, mais je dis c'est toutes les 6 semaines qu'on réalise, c'est parce qu'en fait la week 1 de la VN plus 1, elle est la week 7 de la VN. Et donc ce pattern, bah, il se reproduit de semaine en semaine, dans semaine en semaine. Voilà. Et tout ça en continuant sur ce modèle de release string. Donc tout ça c'est bien, mais je veux vraiment remettre un petit bémol là-dessus, c'est les process, c'est comme partout, ça marche bien, ça marche bien dans notre cas, on est une petite équipe de 3, c'est pas pour ça que ça marcherait bien dans une équipe de 25 ou 30, donc là actuellement ça marche très bien chez nous,
Donc je pense que c'est important que vous gardiez ça en tête, que ce n'est pas forcément un process à dupliquer dans l'État, dans votre société ou dans votre équipe, dans vos équipes. Et voilà, je crois qu'on arrive à la fin, mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter.